apporter un petit quelque chose, j'ai un paquet de cartes ici, d'accord, et je ne vais pas le toucher avant que tu m'aies dit quelque chose. Dans un jeu de cartes, tu as des cartes rouges et des cartes noires. Ok. Quelle couleur tu aimerais éliminer et quelle couleur tu aimerais garder? On élimine le rouge, donc on continuerait avec la carte noire. Donc. D'accord. Dans les cartes noires, tu as les piques et les trèfles. D'accord. Quelle couleur, quel signe tu aimerais garder? Les trèfles, donc les piques, on élimine. Et dans les trèfles, tu sais qu'il y a 13 cartes, de l'As au Roi. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Est-ce qu'il y a un numéro que tu aimerais plus qu'un autre? Le 10. Ça veut dire que tu as choisi noir, tu as choisi trèfle et tu as choisi le 10. Est-ce que si je te dis que depuis le début, le paquet il est posé ici et que la seule carte qui est retournée dans le jeu, ce serait le 10 de trèfle? Ce serait pas incroyable, ça? C'est toi qui as choisi. Ce serait un truc de fou, je crois, non? Je pense que tu pourrais sauter au plafond tellement tu serais... Non? Regarde, je vais te montrer. On a ici, il n'y a pas de truc dans la boîte? Pas de truc suspicieux? Non. Non? Ok, regarde ici. Si je cherche dans le jeu, normalement, en plein milieu du jeu, ici, j'ai une carte, une seule à l'envers dans tout le jeu. Tu m'as annoncé une carte. 10 de pique, t'avais dit, hein? Non, de trèfle. Ah, de trèfle, ok. 10 de trèfle. Ça, c'est ouf, hein?